infrastructures we have nowadays is power generation. If there's no power, we're pretty much screwed. Our next speakers will take a very close look at common industrial control systems used in power turbines and their shortcomings. So please give a warm round of applause to Repdeb, Moradek, and Kors. Applaudissements. Good morning, Congress. Thank you for waking up in the morning. We will talk about the security of power plants today, specifically about automation systems that are used in the power plants. You might think that this is another talk about how insecure the whole industrial things around us are, and more or less it is. So for years we and our colleagues speak about problems in industrial security. We are happy to say that things are getting better, but it's just that the tempo is a little bit different and feels a little bit uncomfortable. So anyway, we will speak about like how power plants are built, what is the automation inside, what are the vulnerabilities, and like the high level overview of what you can do with this. But at first, a little bit of introduction. We are security consultants. We work with a lot of industrial things like PLCs, RTUs, SCADAs, DCSs, whatever it is. We were doing this for too long. For so long that we have a huge map of contacts with à tel point qu'on a beaucoup de contacts chez les intégrateurs, les vendeurs. Ce qui nous a permis notamment de travailler pour les gens qui gèrent des systèmes sensibles, donc par exemple des centrales d'énergie. But also with the help of Yevgenia and things. Yeah. So things that are very important. Donc quelque chose qui est très important de savoir, c'est que tout ce dont on va discuter aujourd'hui a déjà été reporté aux vendeurs concernés. Et on va parler principalement d'un seul vendeur mais on va voir que des problèmes similaires peuvent être trouvés dans des solutions similaires par d'autres vendeurs. Et ça s'applique donc à d'autres vendeurs qu'on ne va pas forcément mentionner aujourd'hui. À part ça, on va parler de problèmes de sécurité qui s'appliquent à des vraies centrales d'énergie. Ça pourrait vous paraître irresponsable, mais en réalité, c'est le contraire. Pour faire de la recherche sur ce genre de système, on a besoin d'accéder à ces systèmes, de temps pour travailler dessus, de connaissances. Et toutes ces ressources, elles sont limitées, elles sont difficiles à accéder pour des gens comme nous. Mais pour des attaquants potentiels, c'est leur travail d'investir du temps, de la recherche pour mener cette attaque. Donc on peut supposer que les méchants savent déjà tout ça, et du coup il est important de partager le savoir pour que les gens bien intentionnés puissent agir face à ça. Donc les centrales d'énergie, c'est le moyen le plus répandu pour l'être humain d'obtenir de l'électricité. Il y en a partout. Et celle la plus proche de Leipzig, c'est la Lippendorf Power Station. Et on pourrait être surpris de la quantité d'informations à leur sujet qu'on peut obtenir via Internet. Par exemple, sur Google Maps,
On peut voir qu'on obtient un très bon schéma de ce à quoi ressemble cette centrale. They sometimes start with building construction, and on their website you can find a schematic pictures of actually which building. Et donc on voit quel bâtiment fait quoi sur la page, et aussi quels équipements sont utilisés. Et si vous n'avez pas cette expérience, vous pouvez simplement regarder et vous voyez quels systèmes ont été utilisés pour l'automatiser. C'est un système qui s'appelle système SPAT-2000 et SPPAT-3000, qui sont des systèmes Siemens. Et donc c'était SPPAT-3000. C'est un petit peu, c'est un peu confus, donc on n'est pas encore certain. Mais c'est exactement le système sur lequel on va porter notre regard aujourd'hui. Et on va revoir, ça pourrait être un autre système. C'est juste que on a vu ce système-là de plus souvent que les autres, donc on va parler de celui-ci. Donc, vous pouvez aussi regarder, voir toutes les centrales électriques grâce aux gens qui monitorent, qui vérifient le charbon. Donc ça sont les différentes sortes de création de pouvoir d'électricité, et on les voit tous par couleur. Donc on a donc le charbon, on a les centrales au gaz, on a l'hydraulique, on a le nucléaire, et ça fait beaucoup. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est celles qui fonctionnent avec du gaz ou du charbon. Donc la puce, en fait ce qui fonctionne c'est une turbine. On n'a malheureusement pas de photo d'une turbine, mais j'espère que tout le monde a vu ça sur un avion, comment ça ressemble à ce qu'il y a dans un avion en fait, surtout en termes de taille et de la façon dont elle fonctionne. Sur les sites web de différents vendeurs, vous allez voir les différents types de turbines. Donc, par exemple, là, ce sont celles des turbines Siemens. Donc, elles ne sont pas utilisées seulement dans les centrales électriques. On peut aussi faire beaucoup d'autres choses avec. Mais si vous cherchez cela. Mais si vous comparez avec les informations du slide précédent, vous allez voir celles qui ont été utilisées pour les centrales électriques, tout bêtement. C'est important puisque, à cause de la vulnérabilité que nous allons vous faire voir aujourd'hui. Donc, avant qu'on parle de l'automatisation dans une centrale électrique, il faudrait que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va aller de gauche à droite, et c'est très facile. On va très beaucoup simplifier quand même pour que tout le monde comprenne. Autre chose, on ne comprend pas tout non plus. Donc la première chose que vous devriez avoir, c'est un combustible. Donc on va avoir du gaz ou du charbon, et vous le mettez dans une chambre de combustion, où vous l'allumez, vous y mettez le feu, et ça va générer beaucoup de pression qui va aller à la turbine, et à cause de cette turbine, la turbine va commencer à tourner. La turbine a un axe qui va tourner, qui va utiliser une dynamo, qui va générer de l'électricité. Donc, quand on génère de l'électricité, on met donc la puissance qui est générée, elle n'est pas faite uniquement pour certains bâtiments, mais pour la grille électrique en fait, pour tout ce qui est le circuit électrique local ou national. Il y a un autre point. On a beaucoup trop de chaleur. Quand on met tout feu, et une grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour refroidir ça. La première chose, c'est avec une tour de condensation. La deuxième chose, c'est de faire une coopération, et on fait de l'eau chaude, et l'eau chaude va être transformée en vapeur,
et on met ça dans une deuxième turbine qui va être une turbine à vapeur pour optimiser. C'est une optimisation en quelque sorte. Donc, quelle est l'automatisation dans ce processus? Les systèmes qui sont utilisés, c'est un système distribué, DCS, et ça automatise tout dans le cycle. Mais alors, tout ce que je viens d'écrire. Les vendeurs de ces solutions veulent tout simplifier pour leurs clients, puisqu'il y a, au lieu d'avoir 100 personnes à travailler, juste une douzaine. Ils veulent simplifier le process complet. Ça ne les intéresse pas de savoir combien il faut, de combustible. Il faut juste lancer le processus et il faut savoir combien est-ce qu'on est censé produire à ce moment-là, combien de mégawatts d'électricité on est censé produire. C'est ça qu'il faut savoir en fait. Ça décrit la complexité qui est cachée dans ces solutions, puisqu'il y a plein de petites choses qui se passent à l'intérieur, dont on va parler tout à l'heure. Donc ce système DCS n'est pas uniquement pour les centrales électriques, mais aussi pour autre chose, qui vont utiliser le même matériel, le même logiciel. Par exemple, ce n'est pas uniquement un logiciel que vous pouvez installer, c'est une interaction entre logiciel et puis matériel. Et donc, des fois, ça commence avec la construction de bâtiments, avec les bâtiments, donc c'est beaucoup plus complexe. Et il y a beaucoup de vendeurs. Donc, comme on disait, nous, on va parler plus de Siemens, mais il y en a plusieurs. Donc une petite description de comment les choses sont simplifiées pour les opérateurs. Par exemple, si vous voulez répondre à la question comment est-ce qu'on régule la sortie en mégawatts, on a besoin de contrôler trois choses. On simplifie encore. D'abord, vous contrôlez, c'est un exemple pour une turbine à gaz. On a besoin de savoir combien de gaz on va mettre dans la chambre de combustion. Il faut qu'on contrôle la température de la flamme et il faut qu'on gère l'air qui va être entré dans la turbine. Donc ça, c'est des PLC toutes simples. Et vous pouvez changer de 100 MW à 150 MW juste sur ces trois réglages. Donc le système dont on va parler, c'est le SPPA T3000. C'est en fait, comme tous les autres systèmes DCS, d'autres vendeurs, c'est un système typique, c'est un système industriel typique, avec des PLC, des RTU, des HMIS, des serveurs, des OPC. C'est la seule chose qu'on a qui est différente pour Siemens, c'est qu'ils ont deux choses principales qui sont le service applicatif et le serveur d'automation avec le logiciel qui fonctionne, qui tourne dessus. C'est quelque chose qui va pas tourner sur les autres vendeurs. Donc on a, si vous lisez les manuels pour les systèmes de Siemens, il y aura beaucoup de différents réseaux et d'autoroutes, de choses différentes. Il dirait qu'il n'y a pas de connexion entre le réseau applicatif et le réseau externe. En pratique, vous allez voir avec des capteurs spécifiques pour les vibrations des turbines, vous allez voir toutes les centrales électriques ne vont pas avoir des gens qui sont en train de faire de la maintenance. Ils vont avoir besoin de faire de l'installation sur les systèmes, installer les antivirus, et ils vont avoir besoin de lancer du trafic OPC, des informations sur la production vers l'extérieur, par exemple pour les régulateurs ou sur les marchés énergétiques. Donc, aussi pour les certaines entités qui monitorent, qui vérifient combien il y a de génération électrique, principalement pour le marché énergétique.
Donc, notre présentation va être structurée comme ça. On va parler donc l'application, ensuite l'automation et ensuite, on se voit là. Donc, on va commencer par... Tout ça, ça a commencé avec de la publication coordonnée de vulnérabilité. Donc, au début du mois de décembre, Siemens a publié un adviso concernant différentes vulnérabilités identifiées par nous, mais pas seulement, d'autres entités ont aussi contribué. Donc, le système est juste supporté par Siemens, il n'y a pas d'intégrateur spécifique. Donc, c'est eux qui vont installer leur patch, ils vont installer leur mise à jour sur les infrastructures critiques. Et donc, on espère que tout ce qui est déjà patché. Il y a beaucoup de choses à parler. On va passer dessus parce que on a beaucoup de choses à dire. Donc, il y en a plusieurs vulnérabilités qui sont les mêmes, en fait. Et ils disent aussi, on parle aussi de la criticalité des choses, mais ce n'est pas forcément applicable à un site industriel, puisque chaque vulnérabilité peut impacter le process et on va sauter dessus. Donc ça, c'est le modèle d'attaque et on va lancer. En janvier, on va vous donner ça, on va faire un white paper, vous allez voir. Donc, le serveur application. Donc, c'est le principal, c'est la ressource principale que vous allez trouver dans le SPP TF3000 dans le réseau. Si vous accédez à ce système-là, vous vous retrouvez dans le serveur applicatif. Si quelqu'un veut lancer la génération d'électricité ou de changer les valeurs de l'énergie, c'est par là. C'est là aussi. Il va y avoir d'autres serveurs qui vont essayer. Ok, d'autres logiciels qui vont essayer de communiquer avec le serveur applicatif vont télécharger leur logiciel de l'application serveur au départ. Donc il y a beaucoup de ports ouverts sur ce serveur, sur cette machine, on voit. Et c'est le premier point. C'est une surface d'attaque absolument géniale, qui est énorme, que même si vous voulez compromettre du Siemens ou un tiers, vous avez beaucoup d'attaques, de surface d'attaque. Donc toutes les installations de ce système SPP sont différentes. Donc selon les versions de la génération, vous allez voir différents Windows, donc de 2003 à 2016. Donc, on espère qu'ils sont tous mis à jour entre-temps, puisque la mise à jour pour une installation comme celle-ci, c'est quelque chose de très difficile. Il faut se mettre en maintenance, et c'est quelque chose qu'on fait une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Donc, il faut toujours trouver une fenêtre d'installation. Donc, il y a toujours une possibilité d'avoir une fenêtre d'exploitation pour la vulnérabilité. Il y a beaucoup de logiciels additionnels, donc par exemple des vieux Seguin qui vont des Tomcat mal configurés. Donc, comme par exemple, on voit les images, comment la configuration de différents logiciels est alignée avec les best practices du benchmark 6. Qui est pour sécuriser une installation. C'est rigolo. Il y a aussi beaucoup de logiciels en Java. Et donc, Radko va vous en parler. Surprise, un des plus gros problèmes dans le SPP 3000, c'est les mots de passe. Il y a trois choses. Toutes les installations avant 2014 ou 2015 ont le même mot de passe et on trouve ça sous Google. Ils ont publié tous leurs documents. Donc après 2015, les mots de passe sont générés automatiquement, mais jusqu'à cette année,
C'était difficile de changer le mot de passe. Donc, il fallait connaître le processus, il fallait contacter votre intégrateur. Et en commençant en décembre cette année, c'est beaucoup plus simple de vérifier, de changer ça. Donc, même si vous savez que vous avez ce problème, vous ne pouvez pas simplement changer le mot de passe. Donc, sinon, vous avez aussi les diagrammes complets et la documentation pour les intégrateurs, comment le système est construit, etc., etc. Donc, ça n'a pas été publié par Siemens, c'est simplement un opérateur de centrale électrique qui a mis ça en ligne sans faire exprès. Donc, le truc le plus important, c'est que les services applicatifs, c'est un nombre d'applications en Java. Et donc, mon collègue va en parler. Bonjour tout le monde. Donc, regardons un peu quel type de logiciel tourne sur ce genre de serveur. Donc, un client léger communique avec le serveur via HTTP, HTTP ou HTTPS. Donc les communications peuvent être protégées, merci, par un firewall. Dans le cas d'un client lourd, on a de la découverte de services via un registre RMI. Donc une illustration de l'architecture pour un SPPA. Donc si on organise ça en différentes catégories. Donc on a des requêtes qui viennent de clients légers et qui sont redirigées vers le bon service. Donc on voit qu'il y a plusieurs containers qui donc utilisent des services RMI. Tous les containers sont représentés, tous certains types, et tous ont des noms qui s'expliquent d'eux-mêmes. Donc avant de commencer à plonger dedans, dans les choses internes, on va vous présenter quelques outils. Donc le premier, c'est un déobfuscateur. Ah, le code Java est obfusqué, donc, mais on peut éviter ce problème en simplement utilisant des outils publiquement disponibles. Et sinon, il est aussi pratique de voir comment le système communique. Ça aide à comprendre l'architecture du système et les workflows des clients. Et donc, pour SPPA, ça représente les streams TCP dans un système qui est lisible par les humains. Donc, OK, donc ils utilisent... D'accord, il faut qu'on aille voir PCAP. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est le serveur Apache. Donc on va regarder le directory Orion Software Config. Et ce répertoire contient des informations sensibles. Par exemple, le fichier pc-système-configuration.xml ou la AFC qui contiennent les configurations de démarrage des différents services. Ou pour le système d'automatisation. Sinon, il y a pareil en Tomcat, on peut commencer à utiliser les vulnérabilités. Et ensuite, donc ça c'est la surface d'attaque. Donc on a un outil diagnostic à distance, on a la configuration de Tomcat, d'Apache, on voit le Orion ServerNet, qui peut être accédé via HTTPS. Et dans le file web.xml, on a une liste de tous les servlets et les applications. Et cette liste, elle est énorme. Donc,
certains ont des noms très attractifs, comme par exemple Browse Servlet, qui permet un utilisateur autorisé de regarder le contenu des répertoires aussi sur le système d'exploitation. Donc en cas d'exploitation du problème, c'est encore mieux, puisqu'il y en a un deuxième qui est encore mieux, c'est pour File Upload, pour installer des fichiers, avec le droit système. C'est donc avec le paramètre target name, on peut complètement installer des choses. C'est-à-dire que c'est sans authentification, on peut installer le bon shell via Tomcat. Et on installe ça avec les droits système. Donc certains servlets qui ont aussi le nom Service Factory dedans. Donc ça te génère des requêtes HTTP. Donc ils parsent les requêtes HTTP et la recherche. Et on va regarder les services. Et ils récupèrent, et c'est un paramètre qu'on leur donne, l'URL du service. Et on voit tout ça. Ok, les paramètres sont simplement mis dedans, sont lus de la requête et mis dedans. Et ça construit une requête. Donc maintenant, on a des clients légers et des clients lourds qui peuvent accéder au RMI. Ils peuvent aussi directement communiquer avec le registry. Donc si le serveur applicatif s'il manque certaines mises à jour de sécurité, il va y avoir des vulnérabilités dedans qu'on peut utiliser. Et donc on peut simplement exploiter ces vulnérabilités et récupérer l'exécution de code à distance avec les droits système. Et le premier pas, on va simplement utiliser Lookup Service Simple pour récupérer une liste de services, tous sauf un. Sauf un, je pense qu'ils ont implémenté une interface générale pour SPPA. Et donc nous, ce qu'on a fait, on a simplement utilisé le lookup service. Et ça ressemble à une collection d'un autre service RMI. Au moins les méthodes publiques donne le nom de tous les services, et en regardant les noms des méthodes et des services, on a tous les services RMI. À ce moment, on a tout simplement le RMI Service Factory. Donc on peut assumer que ça va être qu'on peut aussi avoir une autre service RMI. Donc on peut combiner. On décompile la classe et on trouve quelques méthodes factory. Donc comme get service, et à l'intérieur on peut trouver le nom du service créé. On peut aussi le deviner. Donc en utilisant la méthode getService et le nom, on peut avoir une référence vers le prochain service RMI. Et donc au final, on a les références sur les services RMI qui font effectivement qui ont des méthodes utilisables. Donc ces services ont beaucoup de méthodes publiques. Pour les méthodes, pour les utilisateurs autorisés ou non autorisés, j'ai pas compris. Et à chaque étape, on a trouvé beaucoup de services RMI et beaucoup de méthodes publiques. Donc la surface d'attaque
de ce système est absolument énorme. Donc quand on liste tout ça, tous les services disponibles, comment est-ce que ça, l'authentification trouve pied? Donc on va regarder, pour répondre à cette question, on va avoir les requêtes au service de sécurité. Donc la première chose, c'est que le client va avoir une référence au service sécurité en utilisant un client, un ID client. Ensuite, le Create Security Service va essayer d'avoir une session dans le manager de session. Si le manager ne fonctionne pas, il y a une exception qui est lancée et le client ne va pas récupérer les choses. Mais si ça fonctionne, on récupère une PC Service Factory. Et donc, on va pouvoir instancier la méthode créer une instance du Security Service. La session d'ID et le client va être stocké comme login ID dans le Security Service et le client va récupérer une référence sur le Security Service où il va pouvoir invoquer les méthodes. Donc, mais ces méthodes vont pouvoir vérifier en vérifiant son ID. Donc, on a deux systèmes, on a deux sécurités. Mais comment? La question c'est, mais comment est-ce qu'on fait pour s'enregistrer? Donc, on va, donc avec une session anonyme, le client va utiliser cet ID et ça va aboutir à un bypass de l'authentification. Et on va pouvoir, utiliser de manière déléguée des méthodes exposées par le service RMI. Le nombre de ces méthodes publiques est assez énorme et c'est difficile de gérer la sécurité de ces services. Donc maintenant on connaît tous les inputs sur ces systèmes, on connaît leurs mesures de sécurité, maintenant il va être temps de trouver des vulnérabilités. Donc parmi la liste des services RMI, il y en a un qui a l'air particulièrement intéressant, c'est l'admin service. Donc, on va pouvoir obtenir une session anonyme via la méthode runscript. Donc, on peut l'appeler sans fournir d'identifiant. Donc, d'abord, cette méthode crée une instance d'un class loader. Et en fait, à cette étape, ça va impliquer une autre classe Java. En fait, on va créer une deuxième classe qui doit simplement implémenter AdminScript et cette classe va être exécutée par RunScript. Donc, on crée la classe et cette classe, elle est créée par les arguments de RunScript. Donc, c'est nous qui les passons, les paramètres. Donc, on a l'exécution sur le système. Mais sinon, il y a une autre exploitation qui est... Vous pouvez injecter des classes arbitraires dans le code. Donc, vous pouvez utiliser de la réflexion en Java pour patcher quelques variables dans le système et avoir une influence sur toute la technologie du SPPA. Sinon, on a aussi la vérification des privilèges dans le deuxième bloc. C'est qu'on est dans le session service. Donc, on utilise getLoggingSession qui donne une liste de logging session data de tous les systèmes
tous ceux qui sont enregistrés, tous les utilisateurs logués, avec leur nom et leur IP, et leur client ID. Donc, sauf que le client ID, c'est de l'utilisateur. On peut avoir le client ID des utilisateurs qui sont admins. Et donc, on peut utiliser ce client ID pour avoir une deuxième référence au client security service, pour avoir une deuxième session qui est privilégiée. On va continuer. Un attaquant peut avoir security service deuxième fois et avoir toutes les informations privées de tous les utilisateurs du système avec les hashes des passwords, des mots de passe et leurs informations. Donc, pour résumons, on a deux. Ces deux vulnérabilités permettent l'accès via HTTPS et les firewalls. Et donc, tout peut être contourné. En général, toutes les communications en RMI sont encryptées. Donc, les noms d'utilisateurs et les mots de passe ne sont pas en texte, ne sont pas décryptés. C'est beaucoup plus critique. Ah, pardon, la communication RMI n'est pas encryptée, elle est en texte. Donc, tous les hashes de mots de passe n'ont pas de protection de session. Donc, si quelqu'un peut attaquer un utilisateur de SPPA, il peut récupérer le trafic entre cet utilisateur et le serveur applicatif. Il peut récupérer un nom d'utilisateur et un password, enfin le hash du mot de passe, et il peut le réutiliser pour faire des opérations sur le système. Donc il peut même changer le mot de passe de l'utilisateur. Donc je parle beaucoup sur des noms et de mots de passe, de hash de mots de passe. Il faut, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il est implémenté dans le système. Alex, à toi. Bonjour tout le monde, je vais continuer la discussion. Donc, ici, on peut voir comment l'authentification à distance fonctionne. Donc, pardon, sur la slide précédente, on a pu voir comment l'authentification à distance fonctionne. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne localement. Donc, quand le système démarre, il lit deux fichiers, users1.xml et pdata1.exml. Donc, le user store et le store des mots de passe, respectivement. Donc, le premier, c'est du XML, tout simplement. C'est de la base 64, c'est encrypté, et ça va être EMX, c'est un XML, et le contenu de ce XML est présenté sur le slide. C'est utilisé pour calculer un hash et créer un mot de passe. Et donc, en bas, vous pouvez voir la vérification du passe en pseudocode. C'est typique, c'est un type pour Unix et Linux. Il y a un nombre d'itérations, il y a du salt, du sel, et le sel qui a été ajouté, le sel est le même pour tous les utilisateurs, il est hardcodé. Donc voici un utilisateur, quelque chose pour extraire les mots de passe. C'est bien sûr que ça a été développé. Vous pouvez voir là ce que ça sort. Cet outil peut être utilisé bien sûr pour vérifier pour l'audit des mots de passe. Et c'est public cet outil. Donc il y a une ligne. Donc l'application serveur applicatif. En fait, la première chose, c'est ça a une attaque qui est surface qui est absolument énorme et qui inclut différents composants. Deuxièmement, c'est avec des connexions à distance.
que ce soit qui est des. Donc, va y avoir de la maintenance, va y avoir l'OPC. Quelqu'un d'autre peut. Vous devriez vérifier de toute façon. Et la dernière chose, c'est l'attaquant peut impacter la génération de l'électricité. Il peut lancer, il peut arrêter l'assaut, il peut changer la valeur qui est générée, l'électricité qui est générée, et il peut simplement récupérer des informations sur la génération. Et donc, tout ça peut être fait à partir du serveur applicatif. Ça, c'était juste l'applicateur. Maintenant, on va continuer. On va parler de l'automatisation. Donc, le but de ce serveur, c'est de faire l'automatisation en temps réel. Et ça dépend du projet de l'architecture de la centrale électrique. Le rôle de serveur peut être différent. On a vu trois rôles. Le premier, c'est l'automatisation. Donc, ça peut être confus, puisque c'est d'un côté la fonction et le nom du serveur. Mais quand on regarde la configuration et les informations, on s'est aperçu que c'est partout, c'est quasiment le même hardware et le même logiciel. Et donc, on a utilisé cette classification qui est moins confuse pour nous. D'un autre côté, c'est aussi un petit peu différent de la classification du vendeur. Entre-temps, le rôle d'automatisation, que le serveur est responsable pour l'interaction avec les entrées et sorties. Avec les modules d'entrée et sortie qui vont contrôler l'équipement, comme par exemple les turbines, la génération d'électricité et autres. Le deuxième rôle, c'est la communication. Donc, dans ce rôle, est utilisé pour la connexion avec des logiciels tiers et des systèmes tiers, donc avec les protocoles. Donc, on va avoir les protocoles Modbus 101, 104. Et le dernier corps, c'est la migration, qui est pour se connecter à des installations de SPPA, des plus vieilles, comme système legacy, comme un SPP 2000 ou RME. Donc, le rôle de l'automatisation, le serveur automatisation va être utilisé généralement va lancer sur un S7 sur des PLC industriels. On va parler un petit peu plus de chaque rôle maintenant. Donc on va lancer. Donc on est basé sur du PLC, donc on a des problèmes de sécurité. Donc ça contrôle directement les machines. Donc ça a directement accès dessus. Donc il n'y a pas de système de sécurité. Puisque c'est le niveau le plus bas dans les modèles d'attaque. N'importe quel change de configuration ou mise à jour d'un PLC, il faut arrêter un système technologique, donc il y a toujours de la configuration, même il n'y a pas de sécurité puisque le système S7 n'est pas super sécure. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le protocole S7 sur Internet. Donc, on avait dû se débrouiller tout seul. Donc, c'est un protocole pour SPPA, pour les PLC cinématiques. Donc, il y a un échange qui échange des données entre eux dans ce protocole. C'est un protocole assez simple et peut-être que sa description est disponible quelque part sur Internet, mais on n'a pas pu la trouver. Donc, on va vous montrer sa structure. Donc, il y a quelques mécanismes de sécurité sur ce protocole. On peut faire des attaques man in the middle là-dessus. Donc, pour l'analyse du protocole, on a développé un dissecteur qui est disponible. Donc, pendant le test de sécurité,
sur la configuration. Une des choses principales qu'on a vérifiées, c'est les accès non autorisés en lecture en mémoire. Donc, ça c'est défini par la position de leur mode sélecteur. Donc, pendant des recherches menées précédemment par des collègues, la matrice des privilèges a été déterminée. Donc, ça a pu montrer différentes choses sur la configuration des PLC. Donc, cette analyse, elle est disponible dans notre repository. Donc, c'est juste un Linux. Donc, au début, ça télécharge quelques fichiers depuis le serveur applicatif. Donc, des jars, des scripts bash et quelques autres fichiers. Pour exécuter des jars, on utilise une VM Java, une VM PTC Perk. La VM PTC Perk, elle a un système de compilation. Pour régler le problème de décompilation, on a écrit un script PHP qui réalise de la confirmation inverse. Donc, sur le serveur d'automatisation, on a des services RMI. Donc, dans le cas du serveur de migration, il y a des services RPC et aussi des services RMI. Donc, les problèmes de sécurité sur les systèmes industriels. Donc, il y a une possibilité de spoof les fichiers téléchargés depuis le serveur. D'autre part, il y a un problème lié à l'utilisation d'identifiants par défaut, donc, qui sont utilisables notamment via over SSH pour accéder au serveur, donc cmadmin et le password cm. Ensuite, il y a des vulnérabilités qui affectent les services RPC, qui permettent d'aboutir à des DDoS ou des RCE. Et ensuite, il y a les vulnérabilités qui affectent les parties logicielles elles-mêmes. Donc, avec ces problèmes sur le serveur de migration, si vous avez lu à propos des vulnérabilités qui affectent Orion RPC, donc ce service contient une méthode où le premier paramètre définit l'action qui va être exécutée. Ce qui va permettre d'accéder au contenu de n'importe quel fichier présent sur le système et également d'écrire du contenu sur des fichiers sur le serveur. On va également pouvoir passer un fichier jar qui vont pouvoir être exécutés plus tard. Donc c'est tout pour le serveur d'automatisation, pour résumer un petit peu. Donc ils peuvent être basés sur PLC ou des PC industriels. Donc dans le cas des PLC, on a des problèmes de sécurité spécifiques. Dans le cas des systèmes industriels, c'est juste une box Linux avec quelques fichiers supplémentaires. Jusqu'ici, on n'a pas parlé d'équipement réseau. Donc, pendant nos recherches, on a pu en rencontrer une grande variété. Donc des firewalls, des switches, etc. On a essayé de résumer toutes ces informations
et de réaliser un schéma pour le fonctionnement réseau pour nos SPPA. Le même type d'équipement peut être trouvé dans les équipements fournis par d'autres vendeurs. Donc ces équipements, ils sont souvent affectés par beaucoup de problèmes de sécurité. C'est un peu lié au fait que souvent, il n'y a pas besoin de configuration particulière au début et qu'ils doivent pouvoir fonctionner juste dès qu'on les démarre la première fois. Donc on va avoir des problèmes tels que du firmware obsolète, des identifiants par défaut, un manque de configuration en termes de sécurité. Toutes ces choses sont assez courantes pour les équipements réseau. Et ce sont des problèmes de sécurité courants pour les systèmes industriels, pour les réseaux industriels. Je pense que c'est tout. Maintenant, on va résumer notre discussion. Donc, les systèmes électriques, c'est énorme. On a vu ci, on a vu ça, on a vu beaucoup de choses. Et tout est prévu sur ce slide. C'est que on a des problèmes en Java, on a des problèmes dans les applications, dans les configurations, dans les mécanismes, l'utilisation. On n'a même pas besoin d'aller dessus. Il y a tellement de façons d'impacter la génération d'électricité. Quel type de désastre pourrait être utilisé, pourrait arriver avec une attaque comme celle-ci. Donc avec des blackouts. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire. La distribution d'électricité n'est pas le problème de la génération. C'est un problème pour les générateurs, pour vérifier qu'il y a suffisamment de capacité dans le réseau, etc., pour qu'il y ait de l'électricité. Donc, ce dont on parle là, effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut... Donc, on va parler de la turbine en elle-même. Mais on n'a pas accès à la vraie turbine, qui est grosse. Donc on n'a pas trouvé quelqu'un qui voulait nous en prêter une pour la détruire. Donc, mais le point, c'est on va deviner, en fait. Et la turbine, c'est énorme. C'est énorme, c'est un mécanique qui se casse en elle-même par ce changement en fonctionnant. Et donc, il y a différents modes d'utilisation. Et dans certains modes d'utilisation, on va se dégrader encore plus vite. Et donc, vous pouvez avoir une PLC de rechange, mais une turbine peut-être moins. Donc, l'impact, il est là, mais c'est pas énorme. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était, avec cette recherche, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut aider les opérateurs de centrales électriques à trouver tous les problèmes et les analyser, les structures. Et de comprendre que toutes les installations sont les mêmes et qu'on peut simplifier notre analyse de façon à ce qu'un simple ingénieur puisse faire son test lui-même sur la sécurité. Se connecter à cet endroit-ci, on se connecte là et on fait un simple test et ensuite vous appelez Siemens pour fixer quelque chose. Pour corriger quelque chose, et on n'a pas besoin de consultants qui sont trop chers, voilà. Vous devriez être capable de le faire vous-même. Bien sûr, c'est un DCS. C'est comme d'autres installations industrielles. Il y a beaucoup de similarités. C'est les mêmes endroits où qui font mal. Il y a de bons documents de l'IIC 62443 qui décrivent comment les utilisateurs devraient parler avec les intégrateurs et les vendeurs et comment est-ce que les vendeurs doivent confirmer. Nous proposons à chaque opérateur de centrale d'électricité de liser ce document et parler avec vos vendeurs. Parce que maintenant, c'est un petit peu différent de nos jours, entre les différents vendeurs. Mais c'est un document qui décrit
comment parler avec d'autres entités. Bien sûr, lisez ces slides, lisez le white paper qui sort en janvier, appelez Siemens, Update Systems, changez vos mots de passe de configuration. Ça, c'est très facile, au moins pour réduire la surface d'attaque. Et il y a beaucoup de, dans un réseau SPP 3000, c'est du Windows, donc on peut aussi mettre en place un monitoring, parler avec vos sysadmin pour au moins avoir les logs ou les applications Java. Vous ne savez pas être, vous ne pouvez pas vous voir vérifier, enfin monitorer ça avec les systèmes Windows, mais au moins vous pouvez regarder un petit peu sur votre réseau ce qui se passe. Et finalement, ce n'est pas un problème d'un DCS de Siemens, c'est les mêmes problèmes pour d'autres vendeurs qu'on n'a pas mentionnés ici. Nous allons sortir, qui est donc, on va faire un gros white paper avec tout ce qu'on a trouvé dedans, avec nos recommandations, avec des mots de liste, avec notre assessment de sécurité, avec nos outils. On a d'autres outils donc pour la détection de, avec nos dissecteurs, avec la détection d'intrusion. On parle avec Siemens, on leur dit merci beaucoup. Ils ont fait un superbe travail de communication avec nous et leur team de production qui développe eux-mêmes. Ce que fait le vampire, c'est si vous êtes un... Si vous opérez une centrale électrique, vous devriez installer les mises à jour. Et donc, ils parlent avec leurs clients pour mettre à jour les mots de passe, changer les mots de passe, mettre à jour et sensibiliser tout le monde, en fait. Et donc, ce n'est pas uniquement Siemens lui-même. Il y a aussi les opérateurs qui peuvent faire des choses qui ont un impact sur la sécurité. Donc, c'est à peu près tout. Merci, merci beaucoup. Merci le congrès. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour ce superbe talk, cette présentation. Nous avons 3 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, dites-nous. Si vous utilisez des problèmes d'études, des oreilles, vous allez au microphone 3. Donc, question à l'Internet. Donc, avec les vulnérabilités identifiées, est-ce que ce serait possible de prendre le contrôle d'une telle centrale depuis Internet? Donc, je répète, avec les vulnérabilités identifiées, est-ce que ce serait possible d'obtenir le contrôle de ces centrales depuis Internet? Non, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on a essayé de voir. Ils sont plus ou moins protégés de l'extérieur. Donc il y a certains accès extérieurs, mais ce n'est pas si simple d'y accéder. Et on n'est pas en train de parler d'Internet, on est en train de parler de réseau. Entreprise. Prochaine question, microphone 3. Bonjour. Donc, j'ai aussi une centrale électrique sur ma planète et c'est pas très bon pour l'atmosphère, comme je me suis rendu compte. Donc ma question c'est, est-ce que vous pourriez nous dire où est le bouton rouge pour arrêter la centrale? Je demande ça pour un ami. On n'a pas pensé ça comme ça, qu'on pouvait utiliser ça comme ça, mais ouais. Spécifiquement, si vous êtes... si vous avez des ingénieurs, vous parlez avec les ingénieurs. D'autres questions d'Internet? Pas de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Et applaudissements. Donc, merci d'avoir écouté cette...